Yep, on se retrouve donc pour la suite de Chronique d'armes sur Soul Calibur 2, putain 2, 6, la fatigue. Et du coup, on avait fait Mitsurugi et Zasalamel la dernière fois, plus ou moins Zasalamel. Voilà, puisque vous voyez que ça continue encore. Je pense qu'il faudra faire Talim pour aller plus loin. Et du coup, là, on va faire Kick. C'est parti. Les enseignements d'Edge Master. There was once a martial arts temple known as Ling Sheng Su. Though the temple had a long and prosperous history, it would take only one night for it to be reduced to ruins. The sole survivor was training under the old man known as Edgemaster. He worked hard, learning secret techniques for resist. Je pars toujours du principe que si j'ai le temps d'y lire, vous avez également le temps. You have become better at controlling yourself. However, you still have. What more can I do? Balance is crucial. If evil pushes, pull. And if it by maintaining balance, you can achieve peace. You must master that technique. Then you can simply be you. Without. Yes, Master. Killik, continue. You only get what you put in. If. Yes, Master. Battre les murs intérieurs, les mots d'Edgemaster ancrés dans son esprit, Killik reprit son entraînement intensif de plus belle. Parfois, durant l'entraînement, il se remémorait les leçons enseignées par son maître. Keep your eye on the enemy before you while control. Is that really possible? The Devapara Yuga is the only thing that keeps the. So what will happen when I lose its support? That could happen at any time without warning. When it comes down to it, if I go in too hard, like maybe that is what Master was trying to say. Et quand même, avec Maxi comme compagnon d'aventure, Killik vécut de nouveau aux côtés de quelqu'un pour la première fois depuis longtemps. Killik s'entraînait quotidiennement et était devenu une habitude, et Maxi le regardait comme si c'était la première fois qu'il voyait ça. Il y a quand même beaucoup trop de texte et de dialogue. Même si bon, après, pour une fois qu'il y a une histoire dans un jeu de baston. Le ciel est pas forcément très très poussé. Hey, meditating again? Yeah, it's part of my day. Ever the hard worker. Perhaps, but it's not enough. I have. Sure, you've got a load to carry. But I just feel like I'm on the verge of. Well, maybe you should test your skills in a real. You don't mind? Of course not. But be warned, I don't plan on losing. Bon, ok, on va m'attaquer, Maxi. Alors, temps de chargement sont moins longs que ça. Ring out. Oh putain, même pas. C'est un ring out qui voulait pas venir. Link
Alors il rentre pas, on espère. I see. Well, attacking's not about pushing against your... You fight as if you're not coming out of it. So I'm pushing too much? Yeah. If you've got something you want to protect... Hey. Ok. Voilà. Oh. Shang-Hua avait rejoint le groupe Kili en profitant pour s'entraîner au style de combat de Lin Chen-Su. En se battant contre elle, Kili ne a pu s'empêcher de repenser à Chang Lan. Ses sentiments commencèrent à s'embrouiller et mêlant les deux personnages. So this is the Ling Shang Su fighting style. Yeah, I mean, I'm not too familiar with. Okay, how about we have a little practice? My pleasure. Thanks. Tu fight là, va taper de la donzole. Hein. On nous apprend toujours à pas taper les filles, mais là on n'a pas le choix. Hein. Elle veut pas sortir. Open? No, I didn't mean it like it's just you seemed to hold back when you had. Were you going easy on me because I'm a okay? So even though the balance between push and pull is, I need to be able to make that judgment. A strong resolve makes for one whom people can rely upon. Killick, are you even listening? Hello, come on, Maxie, tell him. Once he's lost in thought, he's gone. But that's just. I guess he just has that much focus. If only he had someone to look after. Hold on! It's not like that! Lol. Est-ce que du coup ils vont nous refaire affronter quand même grâce à l'aide de Maxie et Shang-Hua, l'entraînement de Kili commence à porter ses fruits, cependant il est encore certain de pouvoir utiliser tout ça lors d'un vrai combat et commencer à se sentir mal à l'aise à l'approche du combat qu'il attendait tant. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'ils allaient nous, vont nous faire réaffronter Bon, on va péter la gueule à quelques lézards quand même. Ça va être bien. Je pense. Ça va être bien chiant. Bah du coup, ouais, c'était Lizardman dans son Calibur 2. J'ai pas regardé, mais en gros, c'est un lézard, quoi.
Qui se battait tous avec un petit bouclier et une hache, je crois, une petite hache. Merde, mais salaud! Salaud, il m'a cassé, j'allais faire un perfect. C'est pas vrai, mais bon, ça chute. Je me suis dit que je devrais peut-être pas faire ça si je voulais faire mon perfect et au final il s'est fait quand même. Voilà. C'était pas ce que je voulais faire, mais why not. Les hommes lézards, ça reste trop fou encore. The final battle draws near. Don't worry, your training's been paying off lately, right? Yes, but who knows what will happen now? Don't put so much pressure on you. You're not alone here. I know. I think we make a great team. Damn right we do. No one's okay. Let's. Whatever lies ahead, stay strong. Bon ben, on a fini Kilik. Ok. ça fait court, mais... Non, ben on va faire un autre perso aussi. Comme ça, ça évite que ça, la vidéo soit trop courte non plus. Hein. Faut pas pousser mes mains dans les orties. du coup, on va faire Maxi. Et top. C'est parti. Maxi et son équipage. Yor! Do cause a pirate is free. You are a pirate! Désolé. Non, pas désolé. Allez, putain, ça freeze. Voilà. Parfait. Maxi is a nunchaku wielder who hails, unlike his father, a merchant bound to his kingdom. Maxi refused with his eyes on the wider world. And a trusty crew in tow. Now, bound for India, Maxi's ship. Oh là là, les pirates. Soul Edge? The hell is that? It's some sort of legendary sword. As merchant here saying it's being sold at some sh. Call me Lila. I need some competent plus. You have your own boat. Then I guess I'm the man for you. I've got a bad feeling about this Soul Edge. Name alone sounds like you know me. I'm not one to turn down a beautiful, rich job. Quit your whining. Ignore my crew. They lack the finer stuff. I trust you'll be able to keep them. Of course. I reckon we'll. Kadana's gonna be jealous. Something's not. Oh, we've barely. This don't look good at all. No time for gum fla. C'est déjà l'heure de la baston? Ou est-ce qu'ils vont nous mettre encore un chapitre? Machin. Ils vont nous mettre un chapitre. Non. Ah. Tiens, seul voyou! Putain, c'est fou comment j'apprécie pas les combos de Max. J'apprécie absolument pas le personnage, putain c'est fou. Et le style de combat c'est clairement pas ce que. Ah
T'as l'impression qu'il tourne comme dans tous les sens, mais il touche jamais la dorsale. Bon, c'est un coup de chance parce que le PC il est nul, mais voilà quoi. Broken, I don't know my own strength. Yagaji, sorry, but yeah, brother, I've blistered my hand, but it's still far from perfect. Yagaji, how's your injury? Yeah, well, it looks like I'm gonna have to use Yagaji. I'm fine. It's a great chance for me to look for some good wood. Now, don't get rusty while I'm gone. Not a chance. You've all seen how skilled a fighter I am. No need to ask. le trash talk de l'équipage à son capitaine. Alors, l'apparition fréquente d'assassins au cours des jours précédents à l'enchère a convaincu Kian que quelque chose se tramait. Cependant, et malgré ses nombreuses mises en garde, Maxi a refusé de l'écouter et a décidé de continuer son travail. That's Soul Edge. It's not too late to back out, you know. Some sounds too good to be. Merde. La décision hâtive, il y a une semaine de lettres. C'est trop beau pour être vrai, c'est que ça cache tout. We get paid, then we wait. L'argent et on gagne. Comme ça, tout le monde gagne. Soit d'être prêt. No rest for the wicked. J'avoue, pour des pirates, elle est vachement serviable auprès de la madame. J'ai pas vu que j'utilisais des coups à les gamins et pas d'un nunchuck. Aïe. Du coup, on a même pas vu si ça devait être Killik hein, au niveau du style de combat. L'attrait de Soul Edge. Ni Maxi ni Kian ne savaient quelle arme était Soul Edge, mais le talent de Lila. Pour les relations publiques, remplit rapidement le port de rumeurs sur l'épée, le nombre de voleurs cherchant à s'emparer de l'arme grandit de jour en jour, laissant rapidement Maxi et Kian à court de possibilités. Just magpies attracted to shiny things. Guess that means Soul Edge is one hell of a shiny thing. Looks like a whole lot of nothing to me. People who can't fight want powerful weapons to do it for them. C'est en fait la petite vermine à écraser. Hein. T'as l'impression de faire comme dans Pokémon, les dresseurs à un Pokémon ou à 6 Pokémon. Quoi. Ils sont là, tous les petits dresseurs à un Pokémon qui servent à rien, qui sont là juste pour allonger la durée du jeu. Style de Nightmare. Avec un juste un grand catalan. Merci. Ah. Et on reste. C'était deux adversaires comme ça, ok. Wow. Ce jeu qui est un peu trop gentil quand même au niveau des. Pourrait te mettre deux rangs de par adversaire, mais qui t'en met qu'un. C'est vraiment un pseudo mode survie. Merde, il attaque. Pseudo mode survie comme ça. D'ailleurs, j'ai pas regardé s'il y avait un mode survie. Tu vois. Il y a l'arcade, mais ça c'est normal. Even more people stopping by today. Too many for my liking. Yeah, it's almost auction day. What?
Don't tell me you broke your nunchaku. Yep, but it's no big deal against small. C'était un petit cassé des nunchaku ultra souvent. Oh, Yoshimitsu. Tout du moins, ça y ressemble. Femme de la Russie, sur reconnaître la force de l'équipage de Maxi, décida de le recruter en tant que garde personnel. Maxi était trop occupé à admirer la beauté de Lila qui commença à se poser des questions sur les priorités de son frère d'aventure. We're gonna have to put up with being glorified. Lila's got us eaten out of the pool. You're still not open. Done a bit of asking around about her. You worry too much. You need. And you need to get over. Ouais, devient plutôt bromosexuel. Kiam qui voudrait avoir une relation avec son capitaine Max. Battle 1. Fight. Try this. Il a pas vu de mortel. En plus, j'ai cassé son équipement. Je suis un vilain garçon. Quand je dis que Maxi, il aime bien les. Merde. Il y a des trucs que j'ai jamais essayé. Faudrait que je me dise si ça marche. Si ça fait quelque chose. Si un marchand engage des gardes, c'est généralement qu'il a des ennuis avec des personnes douteuses. Pensez Kiam. Partant seul à la recherche d'informations sur Lila, il découvrit que son instinct était juste. En s'infiltrant dans sa base secrète, il put entendre quelles étaient ses véritables intentions. To think you would be advertising if this were a play. Don't be absurd. Fools who take information at face value. If you're going to kill them. When things are going so well, and once it's over. Damn! Who's that? Uh-oh. This oaf was. Who do you think you are laying hands on? Brother! Those nuns! Yagaji's masterpiece. Des nunchaku, yata! Aïe aïe aïe. Oh, il y a plusieurs mécréants. Ça fait rien. Bon, mon coup est pas passé, mais ça passe. Technique n'a pas fonctionné, mais voilà. Bref. Yagachi peut obtenir des matériaux de haute qualité grâce au contact de Lila, matériaux qu'il utilise pour fabriquer des nunchaku à Maxi. Le Maxi, ceux qui sont utiles sont utilisés. La relation construite uniquement sur le profit ne peut pas durer éternellement, alors pourquoi cette relation sera-t-elle différente? Et ouais. Hey, Cam, you brought that. What? That thing puts a huge target on your back. But. I'll be taking that. So- See? I told. Je savais que c'était Yoshimitsu. Alors. Allez!
Est-ce que Yoshimitsu serait le dernier personnage à battre? Battle 1. Fight. Everyone wants a piece of Maxi. T'avais pas le droit pour protéger. Mais je me suis protégé, pourquoi ça n'a pas fonctionné? À part le deuxième round qui était un peu serré parce que j'ai fini merde. It's one thing after the... What's the big deal about soul? This is all it deserves. Oh, what a... Even a fake's got its value. Couldn't care less if it was the real. These nunchakus Yagaji made are... Oh, so that... Guilty. Lila's none too happy about all this. Well, I think we've been hospitable enough. All right, crew, let's get... Sure thing, brother. Voilà, donc ça va faire une petite vidéo assez sympa du coup avec le Killik et Maxi. Si on les fait par deux, ça ira relativement vite et on pourra rattraper. Du coup, ça sera la même. Et je vous dis à la prochaine pour faire sans doute Shenhua et peut-être Greu aussi à voir en fonction du temps que ça prend. Et du coup, là-dessus, je vous laisse et à bientôt, à ciao, bye bye, ciao.